Bonjour. Bonjour. Bonjour, on est avec... comment tu t'appelles? Je m'appelle Florine. Mohamed. Abdrahman. Krikos. UDS. Comment tu t'appelles? Awa. Ok, Awa, tu sais ce qu'on va te poser comme question aujourd'hui? Non. Là, on va te demander le nom de ta rue et tu vas nous dire ce qu'elle représente si tu sais. Le nom de ma rue, c'est Germain. Ok, tu sais ce qu'elle représente? Non. Bah, Germain, c'était qui? C'était un architecte français. Ok, ah, bah, je savais même pas, tu viens de m'apprendre quelque chose là carrément. Ah ouais? Ouais. J'habite à rue Jacques Prévert, mais par contre, je sais pas, ça représente quoi? Ok, Jacques Prévert, c'était un poète qui est des années 1950 à peu près. Mmh. Et voilà. T'étais pas au courant de ça? Non, malheureusement pas. On t'a appris quelque chose aujourd'hui? Oui, merci beaucoup. Ok, bonne journée. Le nom de ma rue, c'est Martin Luther King. Et tu sais ce que ça représente? Ouais, c'était un pasteur qui a lutté contre la ségrégation. Ok, sympa. J'habite à Jean Eiffel. Moi aussi, Jean Eiffel. Vous savez c'est qui? Non, même pas. Bah, je sais pas c'est qui, moi. Alors, Jean Eiffel, c'est un dessinateur de presse qui des années 1900. Voilà. C'est bon? C'est bon. Si. De rien. Le nom de ma rue, c'est Nelson Mandela. Et oui, je sais ce que ça représente, du coup. C'est un ancien président de l'Afrique du Sud. Et si je me rappelle bien, il a lutté contre l'apartheid. D'accord. Tu sais, c'est quoi l'apartheid? Je crois que c'est la ségrégation des Noirs. D'accord, tu m'apprends un truc carrément. Sale.